Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Nous sommes samedi 13 avril. J'ai posté le dernier vlog hier sur YouTube. Je vous prends aujourd'hui... Attendez, je vais aller fermer la porte de la boutique parce qu'il y a du bruit. Voilà. Je disais, je vous prends vite fait aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Pour vous montrer, j'ai fait, alors c'est pas bien glorieux, mais c'est pas grave, je me suis fait une pochette pour la broderie, parce qu'en fait j'avais celle-ci à la boutique, mais plein de fil dessus, mais celle-ci pour la boutique ça va pas, c'est pas pratique, donc ça je vais la ramener à la maison, hop, et je pensais peut-être potentiellement la modifier, nous verrons. Je suis partie sur ce qui se fait de toute manière partout maintenant. Mais moi, j'en ai fait une grande par rapport aux dimensions que j'ai vues. Elle est un peu plus grande. Et j'ai mis une poche derrière pour pouvoir mettre le diagramme derrière. Comme ça, je n'ai pas tout le temps besoin de l'enlever. Je trouve ça plus pratique. Et sans le diagramme, parce que les tissus sont trop. C'est les tissus que j'ai eu chez Rosaline et Suzanne. Donc, j'ai mis celui-ci qui, si je ne dis pas de bêtises, est un Michael Miller. Il y a du monde. Désolée. Je disais donc, ce tissu c'est un Michael Miller et de l'autre côté, j'ai des fils qui traînent partout. J'ai fait avec celui-ci. Alors vous voyez, oh là là, quand il y a du plastique et du mou là, ça grigne de partout. Je suis pas voilà, bon, bref, c'est extrêmement perfectible, mais c'est pas grave. Je changerai un peu ma manière de monter la prochaine fois. Là, je l'ai fait un peu au pifomètre, sachant que c'était la première fois que j'en faisais un. En fait, je suis partie du gabarit d'une feuille à 4, et puis après, je suis venue augmenter. Et voilà, j'aurais pu peut-être faire ces bandes là un peu moins larges pour qu'on voit plus le tissu. Qui est derrière, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai fait un matelassage juste en diagonale. Et en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est qu'au milieu, j'ai mis du Gefitex. Et j'arrive à la fin de mon Gefitex. Hop, donc j'ai fait ça. Hop. Et pour mettre dedans, je me suis fait une petite planche recto-verso. Avec, donc c'est des élastiques tout bêtes hein. Sur le même principe avec du Gefitex du tissu de chaque côté, j'ai matelassé en diagonale et après je suis venue mettre mes élastiques et emprisonner le tout en faisant des coutures droites pour maintenir l'élastique très légèrement tendu et puis après je suis venue poser un biais sur le côté, enfin sur les quatre côtés. Voilà. On va voir si sur le long terme je trouve ça pratique ou pas. En tout cas, je trouve ça joli. Et on est déjà pas mal. Regardez. Alors, sur cette toile-là, c'est une toile Aïda, je brode sans tambour. Mais hop, on est pas mal du tout. Sachant que c'est quand même un projet qui est assez grand. Et j'ai encore de la place dans la pochette. Donc je suis contente.
Voilà, c'était la couture de la journée. J'avais dit qu'aujourd'hui je faisais un truc pour moi. Et ce matin, je ne sais plus. Faut que je termine le t-shirt du pyjama de ma grande. Elle l'a essayé hier. Mais en fait, dans le pyjama morphée, il n'y a pas de biais d'encolure, en fait, comme ça, là, qui est inclus dans le patron, qu'il faut que je le calcule et que je le rajoute, parce que comme j'ai fait une taille 50, forcément, elle a une carrure d'épaule de 34, donc ça lui arrive tout juste. Donc, je vais faire, elle veut une bande d'encolure un peu large pour que ça remonte bien, parce qu'elle veut pas, elle veut pas que ce soit décolleté. Enfin, même si ça ne l'est pas actuellement, elle préfère quelque chose qui monte près du cou. Donc il faudra que je finisse ça, mais je pense pas finir aujourd'hui. Je sais pas, on va voir. Ah, sinon ce sera fini mardi. J'ai avancé quelques rangs de mon bob Rasta aussi. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Et bah, je vous reprendrai plus tard dans la semaine, puisque là c'est parti pour 2 semaines. Deux semaines de vlog avec moi et le retour des mouches. Impeccable. Allez, je vous dis à plus tard. Alors nous sommes lundi 29 avril, je ne vous ai pas pris depuis un moment parce qu'il y a eu pas mal de changements. Donc j'ai remonté l'atelier, enfin la boutique à l'atelier à la maison, tout simplement parce que je dégage pas assez pour garder la boutique et au nombre d'heures que je fournis, si c'est pour tout juste payer charge, c'est pas la peine. Donc voilà, ça a été déménagement, ça a été organisation. Je vais fermer un peu la porte parce que j'ai les brocolis qui cuisent en bas. Donc je pense pas que voilà que le bruit de la cocotte minute soit charmant pour vous. Je sais pas si vous l'avez entendu. Donc voilà. Soyez pas désolés, moi je suis pas du tout, donc ne vous inquiétez pas, aucune déception, rien du tout. Comment dire, c'était un test en fait, c'est pour ça qu'on avait pris ce local là en bail précaire, donc pas de problème. Et en plus mes clientes me suivent, donc elles ont l'adresse de la maison. Il faudra juste que je change sur l'ordinateur, je pense que je ferai ça cet après-midi, puisqu'en fait ce matin il faut que je réaménage tout l'atelier, puisque j'ai ma stagiaire. Oui, j'ai une stagiaire. Je vous ai pas pris depuis un moment, donc j'ai une stagiaire, j'ai Anna. Normalement, j'avais filmé ses mains il y a quelques jours. Donc, il faut que tout soit réinstallé pour que demain elle puisse travailler. Et demain matin, on va avant de la récupérer à Issoir, parce que du coup, on va covoiturer avec la maman. Donc demain, c'est moi qui vais la chercher, parce qu'il faut que j'aille aussi terminer le ménage de la boutique. Et il nous reste 3 gros meubles à récupérer. Donc voilà. Donc cet après-midi, je m'occuperai, tout ça pour en venir là, je m'occuperai de la partie site internet pour tout mettre à jour.
Donc la dernière fois, on s'est quitté. J'avais reçu ma commande laine et tricot, laine loupi, que je ne vous avais pas montré. Alors, je suis juste un peu déçue, entre guillemets. Je me suis, je pense, trompée de gris. Je le voyais un peu plus clair que ça. J'ai pris le gris foncé. Bon, pour un Totoro, c'est pas grave. J'ai pris la naturelle, la écrue, qui est donc la couleur 51. Le gris, là, c'est le 58. Et pour le coloris principal, j'ai pris un orange roux, qui est le 1004, qui est cette couleur-là que j'adore, qui est très très belle. Et il me manquait, enfin il me manquait, non, il manque une couleur, c'est la naturelle, puisqu'il m'en reste suffisamment, il m'en restait, donc j'ai pas racheté. J'ai aussi, d'ailleurs j'ai toujours pas, ah mais c'est ça, il faut que je les teste. J'ai les câbles Mindful 360 de chez Knit Pro, et je les ai toujours pas essayés. Et en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais il tourne. Donc, nous allons voir ça. La clé, elle est jolie. Oula, zut. La clé, elle est comme ça. Et les embouts sont comme ça. Voilà. Donc, bon, ça, il faut que je le range dans mon bazar derrière. Et ils sont passés. Je ne sais pas si c'est pareil pour... les autres aussi, c'est que Mindful, mais tous leurs emballages sont en papier. Voilà, parce qu'avant c'était en plastique. Et j'avais commandé aussi des aiguilles. Bon, et j'ai même pas sorti. C'est pareil, ils sont passés en carton. Les emballages avant c'était du plastique. Et donc j'ai pris du 4,5 parce que moi mes 4,5 c'est des 20 cm carrés. Et en fait, bon, le côté carré me dérange pas. C'est les 20 cm, c'est trop long. Moi, je trouve ça trop grand pour faire des manches. Voilà. Je vais essayer de poser ça sans que ça vous fasse trop de bruit de papier. Hop. Ensuite, j'ai terminé la deuxième partie. Donc ça, quand ça sera moins le bazar dans l'atelier, ça ira dans l'atelier et je ferai le sac. J'ai terminé la deuxième chaussette que je pense avoir fait un peu juste. C'est une laine qui n'a pas, au final, beaucoup d'élasticité. Donc, je vais voir, sinon je défrai la pointe et je l'augmenterai, on verra. Fonction de la flemme. Vous voyez, ça tire un peu, là, le talon. Hein. Je pense que c'est plus un 37,5 qu'un 38 que j'ai fait. Mais je ne les ai pas lavés. Donc, il faut que je la lave et que je la bloque. Voir si ça a un effet dessus ou pas. Ensuite, j'ai commencé à appliquer cette rose, n'est-ce pas, que je viens appliquer en point invisible. Donc là, pour le moment, j'ai commencé hier la partie rouge. Et après, je viendrai, en fait, donc ça va faire une housse de coussin qui sera entièrement doublée. Hein, pour pas voir les points. Et dans les trous, je viendrai faire des broderies. Des petites broderies à la main. Je vous ai parlé de Cruel la dernière fois. Je dis, ah, j'ai pas mon livre, mais en fait, si je l'ai. Il y a plusieurs années, ma maman m'avait offert ce livre-là. Que j'aime beaucoup, qui est très très bien. Et en fait, vous avez une page avec des points, une page avec une illustration, un modèle. Et à la fin, vous avez tous les modèles. Téléphone fixe qui sonne, ça n'est que de la publicité sur le téléphone fixe. Ensuite, j'ai refait une pochette. Du coup, pour mettre, je vous ai montré, le petit renard. J'ai refait une pochette. Il y en a une autre qui est en attente, qui n'est pas terminée, avec ce tissu. Toujours de chez Roseline et Suzanne, et celui-ci derrière. Ah. Bon, bien évidemment, c'était de la publicité, je vous le donne envie. Voilà, donc bref, je vous en ai déjà parlé, je vous les avais déjà montré. Là, j'ai mis la broderie qu'il faut que je reprenne. En ce moment, comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas le cerveau très très disponible.
on va pas se mentir. Hein. Mais là, je vais avoir un peu plus de temps parce que déjà, alors tant que j'ai Anna, je vais mettre ça plus tard. Tant que j'ai Anna, bien sûr, j'aurai pas plus de temps puisqu'il faut que j'aille la chercher et que je la véhicule sur histoire. Mais après, déjà, j'aurai tous les transports en moins. Et je vais arrêter de bosser le samedi pour la boutique. Sachant que le samedi matin, ça sera sûrement de la paperasse, voire aller aider l'homme sur certains chantiers pour pas qu'il y passe le samedi complet. Voilà. Bref, j'ai avancé du coup sur celle-là. En fait, je brode quasiment que sur... Enfin, c'est pas quasiment... l'autre jour il faisait beau, donc j'ai pu broder mes petites citrouilles dehors, mais disons que en fait depuis on n'a pas vu le soleil, hein, donc voilà. Donc en ce moment je brode sur la grille pour Ellie, pour ma mini. Donc ça avance tranquillement. Et puis là, bah, les vacances scolaires sont terminées, donc forcément, de nouveau, on se lève à 6h30 du matin et de nouveau. On a un petit peu de temps le matin pour broder. Voilà. Côté tricot, je vous l'ai dit, je tricote quasiment pas. Alors, en ce moment, j'arrive le soir à rester à peu près éveillée devant la télé, ce qui est énorme, hein, n'est-ce pas? Donc, j'ai réussi à tricoter un peu mon pull que je vous montrerai après. Mais sinon, je ne sais plus si je vous avais montré mon avancée. Quasi inexistante sur le châle que je fais avec Laurine, donc qui est le Tangerine Sky, mais que j'aime beaucoup, je trouve très beau. Mais voilà, pour le moment, il avance pas. J'ai même pas eu le temps de faire mes carnets, alors que je m'y tenais bien et tout. Et j'ai acheté ça d'ailleurs à Action pour les décorer, mais j'ai rien. J'ai pas le temps en ce moment de mettre sur les carnets, donc je vais reprendre tranquillement, doucement. Et donc j'arrive à la fin de ma première pelote, il faut que je bobine ma deuxième pelote, mais tout est dans les cartons, donc j'en suis à la de mon pull imprononçable. Je l'ai repris. Alors, on voit là où je m'étais arrêtée. Ici, là, il y a quelques mailles qui sont un petit peu plus lâches. J'avais pas fait attention, j'aurais dû détricoter. Mais c'est pas... En vrai, c'est pas grave. Donc là, depuis que je l'ai repris... peut-être vendredi dernier. Voilà, j'ai fait ça. C'est du jersey, tout droit. On se prend pas la tête. Je vais jusqu'au bout de ma pelote et après avec la prochaine, comme je vous avais dit, je vais faire la corde de l'encolure et les manches. Et après, je viendrai terminer le corps. Voilà. Ensuite, alors ça, je vous montre qu'une partie parce que j'ai pas tout là. Pas dimanche là, mais dimanche d'avant. Avec l'homme, on allait faire des devis chez des clients. Et, c'est dimanche. Bref. Et je suis passée voir ma copine Pascal, donc les kits naturels qu'elle avait exposé à la boutique en vente éphémère. Et parce que elle avait une partie couture, broderie quand elle exposait. Et là, elle ne veut plus faire ces parties-là, donc elle se débarrasse de tissus. Elle avait mis des tissus en promo, donc je suis passée la voir. Après, il y a quelques coupons qu'elle m'a offerts. Tac, je vais essayer de les mettre dans le bon ordre parce qu'en fait, moi, j'ai pris de quoi faire le... Je vous avais parlé de me faire un genre de nappe pour la table basse. Et... Du coup, j'ai pris ce qu'il fallait. Donc, j'avais les tissus lin que je vous avais montré. Et en fait, j'aimerais la faire réversible. Et donc... Hop, c'est bien. J'aurais pu préparer ça avant. Mais bon, bah, ça aurait pas été drôle, n'est-ce pas? Voilà, donc moi, je lui ai pris... alors, normalement, il y a... Celui-là, il va pas dedans. Et celui-là non plus. Ceux-là vont pas avec. Voilà, moi j'ai pris ça. Donc ce sont des tissus anglais. Celui-ci,
à un imprimé comme ça. Et c'est... Ah, dans le bon sens, c'est peut-être mieux. Wyndham Fabrics présente donc le nom du tissu, c'est Aubrey, par Whistler Studio Pattern. Hop, donc c'est Aubrey. Ensuite, dans les fleuris, j'ai pris celui-ci qui est donc, je vous montre en même temps. Minivert, Monsieur Minivert, il s'appelle, et c'est Studio Red Roadster Fabric Studio pour Red Roadster Fabric, c'est tout à fait normal. Voilà. Et en fait, au fond, je ne sais pas si vous allez voir, ça fait comme une imitation de d'une résille, en fait. Voilà. Avec, je voulais peut-être montrer à peu près. Il a peut-être pas fait le focus. J'ai pris celui-ci qui est donc collection by Evan Cook for Washington Street Studio. Et c'est la collection Tempérance. Par contre, je vois pas le nom. Bon, il doit en avoir un, mais je vois pas le nom. Donc, ce sont des petites feuilles sur un fond écru. Celui-là que j'adore, que je trouve très très beau et que vous allez voir à l'envers. Donc à l'endroit, c'est mieux, c'est comme ça. Et celui-ci, c'est pareil, c'est Wyndham Fabric. Et son petit nom... Ah ben, je l'ai pas. J'ai qu'un petit bout, donc je peux pas vous dire son nom. Après, j'ai pris des fonds unis. Ça sera pour... les sacs, j'ai pris, mais c'est ça, je vous montrerai plus tard parce que j'ai pris de quoi faire des petits Robert, mais je les ai pas là. Et donc, elle m'a donné des chutes. Je les ai pas triées. En fait, je les ai rangées. J'ai tout lavé hier. Et enfin, bon, voilà, bref, en gros, dans ces tons-là, quoi. Et notamment deux petits carrés. Comme ça, c'est un mélange lin et coton avec une trame un peu grossière. J'aime beaucoup, il est très 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 beau et j'aimerais me refaire une troussinette dedans. Voilà pour ce qui est du bazar que je ne sais absolument pas où je mettre, puisque là dans l'atelier je vais pas pouvoir remettre mes tissus perso parce que bon, à un moment donné c'est trop, il y en a trop partout, c'est trop le bazar. Donc je sais pas encore du tout comment je vais m'organiser. Ça va être marrant, ça, de réorganiser les espaces. Et sachant qu'en fait je pourrais mettre les caisses de tissus, j'ai acheté des grosses caisses à Action. Je pourrais mettre mes caisses de tissu dans la partie mezzanine en haut avec les laines. Le problème, c'est qu'elles sont beaucoup trop lourdes. Je me vois pas monter tout ça là-haut. Ça a pas trop de sens, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, je vais aller éteindre les brocolis. C'est très intéressant. Je pense que j'ai le chauffage qui rentre un peu parce qu'il faisait 10 degrés. On n'a toujours pas rebouché le trou. Faut que je trouve un moyen de le reboucher de manière temporaire pour pas chauffer le vide, en fait, tout simplement. Mais j'ai mis un petit peu de chauffage là ce matin dans l'atelier parce qu'il faisait 10. Donc voilà, là je vais ranger tout ça, je vais essayer d'organiser et puis je vous reprendrai plus tard pour vous montrer un petit peu l'avancée. J'ai toujours pas eu le temps de... Faut que je le couse et que je lui mette son petit nez et tout. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, alors j'ai réinstallé une partie, c'est-à-dire celle-là. Le reste c'est le bazar. Non, je dis ça, j'ai réinstallé un peu plus. Mais je voulais vous montrer, vous avez parlé de tissus que j'avais pris pour faire des nouveaux petits Robert. Et hop, alors je n'ai pas tout ramené là. Là, c'est juste les nouveaux. Il y a ce tissu que je trouve magnifique. Vous allez me dire. Hein. Bon, là, il est froissé, je vais les repasser.
Mais magnifique. Aquarelle avec des oiseaux là, trop beau. Donc ça, je vais le repasser. Il y a des petites fleurs rouges, trop mignon. Ça, ce sont des unis. Il y a celui-là en sépia qui est très chouette. J'aime bien le côté sépia en fait. Voilà. Et j'ai testé. Je vous ai déjà parlé de mon grossiste qui fait pas que du gros. Vous pouvez aussi commander là-bas. Ça s'appelle Stoklasa. Et donc là, j'ai pris leur. Forcément, c'est le rangement hip optimum pour le moment. Hein, on est bien d'accord. J'ai pris leur coton pour tester, voir comment ils étaient. Et ma foi, bon, ça va m'agacer. Je ne sais pas où te mettre. Ah oui, tiens, tu vas aller là. Oh. Bien. Hop. Donc ils ont certains coloris en grande largeur. Donc en grande largeur, j'ai pris ce qu'ils appellent vanille. Que je trouve ça très lumineux. C'est pas jaune, c'est, enfin, c'est vanille quoi. C'est très, ils sont, en fait, leurs coloris sont très lumineux d'une manière générale. Un vert forêt très foncé. Du noir. Un genre de terracotta, mais un peu plus rouille. Le terracotta que j'avais avant était comme ça. Celui-là est plus rouille. Et plus lumineux. Un violet trop joli. J'aime bien ce violet. Un jaune, un peu safran. Un mandariné, trop beau. Oh, j'adore. Trop trop beau. Alors je sais. C'était pas le vieux rose celui-là, je suis pas sûre. C'est peut-être le vieux rose. Je suis pas sûre. Un bleu ciel qui est très joli. Pourtant je suis pas bleue, mais celui-là je trouve ça joli. Et un écru basique. Ouais. Donc là je vais repasser tout ça pour ranger correctement. Hop, ça va retourner ces petits bouts. Sinon, je vais vous montrer un peu vite fait le coin là. Enfin, le coin. Alors, pour mes cartons, c'est plus pratique. Donc, pour le moment, j'ai mis, bonjour vous, j'ai mis toutes les bobines ici. Là, en dessous, il va y avoir la table de découpe qui va revenir. Donc là, j'ai mis deux bureaux puisque j'ai quand même des stagiaires jusqu'au mois de juillet. Je ne sais pas si les deux bureaux resteront, mais là, pour le moment, j'ai les stagiaires couture, donc j'ai pas le choix. Comme ça, ça leur fait un endroit pour travailler. On se marche pas dessus. Là, pour le moment, j'ai mis tous les patrons, un peu de mercerie et les tissus en haut. Et bon, là, la cuisine... Oula, pardon. La cuisine, pour le moment, c'est pas en mode teinture, là, c'est en mode repassage. Et ici, j'ai mis toutes mes caisses de mercerie, les élastiques, les billets, les pressions métalliques. Et ensuite, bah, là, va y avoir... Alors ici, il faut que je ramène une grande étagère. Et je vais voir pour en rajouter une là, pour l'espace exposition, on va dire. Voilà. Donc cette partie-là n'est pas du tout rangée pour le moment. Donc je vais faire ça. Demain, on va chercher les derniers meubles. Et j'aurai donc sur cette partie-là, comme il y avait avant, ici, ma table de découpe. Voilà. Sinon, avec Anna, ma stagiaire, on a fait la confection, on a fait ce pantalon. C'est une cliente qui m'a ramené celui-ci, qui m'a demandé de lui refaire à l'identique. Donc, on a tout repatronné. Et en fait, il est joli, j'aime bien les détails. C'est une poche avec un angle droit, en fait, ici. Et l'empiècement de la poche est cousu pour pas qu'on se prenne dedans. Et après, le reste, c'est tout simple, c'est élastiqué. Donc, on a fait ça. Là, je viens de le terminer. Et normalement, la cliente vient demain. Donc, comme ça, je lui essaierai la ceinture pour voir si l'élastique est assez serré ou pas assez serré ou que sais-je. Nous verrons parce qu'en fait... Comme l'ancien pantalon était beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, peut-être qu'elle ne le portera pas de la même manière, donc je ne ferme pas l'élastique. Voilà. Et ah oui, j'ai fait cette finition-là à l'intérieur justement pour que ça fasse. On aime bien quand c'est joli, on aime bien quand c'est propre. Donc en fait, je suis venue faire une boutonnière dans la couture du milieu d'eau.
Hop. Comme ça, si la dame, elle veut... Donc, j'ai fait les mêmes finitions. Moi, j'aurais pas choisi ces finitions-là, mais c'était comme ça que le pantalon d'origine était fait. C'est pareil, c'était un simple rentré en bas, donc on a fait la même chose. Mais voilà, bref, le but c'était de reproduire à l'identique un pantalon. J'ai juste changé ça pour que si l'élastique ne lui convient pas ou si l'élastique se détend, qu'elle puisse le changer sans faire intervenir une couturière. Voilà, elle rachètera juste le petit élastique dont elle a besoin et elle pourra le changer. Voilà, hop, ça part demain. Et je ne vous l'avais pas montré parce qu'on a bossé dessus. On a fait le patronage vendredi après-midi. Et on a fait la couture samedi. Voilà. Bah écoutez, je vais faire mon repassage et je vous dis à plus tard. Bonjour, alors nous sommes vendredi 3 mai. Je ne suis pas toute seule, j'ai ma stagiaire à côté, j'ai Anna. Dis bonjour Anna. Bonjour. Il ne te voit pas, t'inquiète pas, je ne montre pas ta tête sur YouTube. Je vous prends vite fait pour clôturer le vlog. Là, je vais terminer le montage et je vais le mettre en ligne. Voilà. Je voulais juste vous montrer. Hier, j'ai terminé la couture à la main pour assembler... Donc en fait maintenant j'ai sorti mon livre, mais j'ai pas suffisamment de petits sujets dedans et j'ai commencé à regarder pour m'acheter un autre livre, c'est pas bien. Mais je vais voir parce qu'en fait il y en a avec des modèles qui sont magnifiques. Mais je pense que là pour ce projet là, je vais aller regarder sur Pinterest ou autre si je trouve des petits motifs d'animaux, d'abeilles, voilà, parce que bah, c'est pas gros hein, ce qui reste. Donc, je peux pas mettre des trucs trop. Puis, je veux pas que ça fasse trop, de toute manière. Donc, voilà. Sachant que je voulais finir pour lundi, parce que mes parents viennent, donc on part plusieurs jours dans les Cévennes avec l'homme. Et mes parents viennent et je voulais lui offrir, mais du coup, ça sera pas là, ça sera après d'après. Sinon, j'ai démarré. Alors, j'ai pas la... je vous inclurai la photo là ou quelque part. Non, je coupe et je vous mets la photo. J'ai commencé la grille de rouge antique, Véronique. Je sais que tu as passé par là. Je te fais un coucou, je t'embrasse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que donc j'ai eu une serre pour mon anniversaire qui n'est pas montée, mais ça c'est pas grave. Et donc j'ai commencé à me dire que j'allais la décorer. Voilà. Donc, je voudrais faire cette grille pour mettre dans ma serre. Et j'ai démarré. Je vais démarrer par l'écriture, en fait. Donc, c'est sur une toile de lin 12 fils. Avec un coloris un peu... En fait, ça me fait penser à une teinture à l'avocat. C'est un rose très, très doux. Très végétal. Mais je ne sais pas du tout d'où vient cette... On me l'a donnée. Donc, je ne sais pas du tout d'où elle vient. Ni procédé de peinture. Hier, Anna m'a aidé, enfin, on a commencé la semaine dernière. Elle a fait les joies de la pose de biais et de la couture sur vinyle. Le pauvre. Non, parce que là, elle a fait toutes les matières pénibles de la terre, c'est-à-dire la viscose, les doublures antistatiques. On a fait des trucs vachement sympas. De la rayonne gaufrée aussi, ça, c'était pas mal. Et donc elle m'a fait l'assemblage avec le zip, l'assemblage avec le vinyle, et hier elle avait commencé à poser le biais. Donc moi j'ai terminé quand t'es partie, je l'ai terminé vite fait parce qu'en fait j'espérais faire la couture à la main hier soir, chose que je n'ai pas faite. Donc c'est pas grave, parce que moi je m'étais dit vite tu le finis, comme ça après tu peux ranger la grille de rouge antique, mais c'est pas grave, je finirai ça ce week-end. Voilà, vous avez vu, je vous ai mis une petite vidéo avant, j'ai avancé sur le pull imprononçable.
Donc j'ai fait l'encolure en I-cord et j'ai démarré, mais bon, c'est pas significatif pour que je vous montre, j'ai démarré une manche. Donc c'est une manche montée, donc on vient relever des mailles tout au bord, on fait des rangs raccourcis pour créer la tête de manche, et puis bah, après ce sera du... moi je les ferai peut-être, je pense, ouais, je m'arrêterai peut-être là, il faudra que j'essaye au fur et à mesure, voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je termine le montage, je le mets en ligne et puis nous on va les bosser parce qu'on a quand même un peu de boulot. Là, Anna, elle est en train d'apprendre à tricoter, donc à la joie du montage des mailles. Et elle fait, donc c'est un modèle gratuit, elle va faire ce modèle-là pour sa maman. Et en fait, c'est un modèle avec une répétition de... Le diagramme se fait sur 4 mailles, 4 rangs, donc ça rentre bien en tête. Et donc ça donne ce petit effet ajouré... qui est pas mal du tout. Donc c'est le lace slouch. Hop, je vous le mets là. Disponible gratuitement sur Ravelry, uniquement en anglais, je crois. Oui, c'est que en anglais. Parce qu'on en avait vu un autre qui était en portugais, en espagnol, mais c'est pas sûr. Voilà, mais bon, franchement, pas compliqué hein, pour les débutants en anglais. Au contraire, je pense que c'est tout à fait le genre de patron qui est indiqué, parce qu'il y a très peu de points. Et on fait tout le temps les mêmes répétitions, donc ça rentre, ça va vite rentrer en tête. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine. Le prochain vlog, bah, ça sera sûrement dans 2 semaines, parce que bah, je vous ferai, peut-être que je ferai des petits films. Enfin, vous le savez, on part. J'oublie régulièrement de prendre des films. Avec un peu de chance, si tout se passe bien, je vais voir Laurine de Rosaine et Suzanne, puisque je vais pas très loin chez elle. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se voir. Et j'espère surtout qu'on va avoir beau temps. Là, aujourd'hui, on a du soleil. Touchons du bois pour que ça dure. Je sais pas chez vous, mais chez nous, c'est... On va se transformer en marais. Les marécages de Shrek. Bientôt, c'est ce qu'on va voir dans le jardin, quoi. Je vois pas d'autres explications. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.